Bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. On n'arrivera jamais. Tant pis. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bienvenue. Jeanne. Roman, oui c'est mon prénom. Aujourd'hui dans cette vidéo pas du tout synchronisée, nous allons déguster des choses diverses et variées qu'on ne va pas choisir. Est-ce que nous allons avoir du plaisir dans cette vidéo? Oui. Ah, est-ce que j'enlève mes lunettes à un moment donné par respect ou c'est comment? Parce qu'au niveau de la politesse vis-à-vis des gens. Tu m'as éduqué. Est-ce que c'est ta mère? Ou est-ce que c'est ta mère? C'est peut-être notre mère. Mais on a une mère commune, c'est non? Vrai. C'est le maire de la commune. Ah oui, ça c'est une bonne blague. Elle était pas ouf non plus. Non. En tout cas, on a commencé ce challenge en début de journée, on a rien mangé du tout. Fait qu'on est en train de crever de faim en fait. Et le truc c'est qu'on va commander des choses. En fait, le concept c'est de demander au drive-thru de nous donner la commande de la personne qui a commandé avant nous. Oh, voilà. C'est si bien expliqué ça. Et... J'ai rien à voir avec mon explication jusqu'à rien à voir. Et du coup, on va pas savoir ce qu'on va avoir. Et nous deux, on a très envie d'un café. Ensuite, on a très envie de manger éventuellement vegan. Ça serait bien. C'est même pas sûr qu'on mange sucré, salé. On sait même pas ce qu'on va prendre. On sait pas. On va aller se faire une petite beauté. On va se faire les ongles. Là, pour l'instant, on a l'air de ratchet. Et à la fin de la journée, on aura l'air de bichette. Nous allons au drive-thru de Starbucks. C'est on parti, va optimiser nos chances pour avoir un café. Comment tu vas optimiser tes chances? Bah oui. C'est pas toi qui décides. On a plus de chances d'avoir un café à Starbucks que à Quick. Quick n'existe pas au Canada. Tout le monde au Canada prend des lattés citrouilles. Moi latte. C'est ça que je veux. Je veux un spicy latte. J'ai pas envie d'être une basic bitch, je vais devenir une basic bitch. Viens dans mon monde, ça. Viens dans mon monde. Moi, je veux un café noir de sucre, genre. Ne cassez pas la tête avec vos lattés compliqués. Je vais prier pour qu'elle ait un latte parce que ta vie va changer. Non. Mais est-ce que t'as déjà goûté? J'ai goûté quand j'avais 5 ans et demi. Il faut que tu goûtes parce que je te jure que c'est super bon. Je te crois pas. Là devant c'est juste un gars donc il va peut-être commander juste un truc. Oh, on va devoir share. Je me sens grave comme une youtubeuse. On va prendre la même commande qu'une personne en avant parce qu'on est des youtubeuses. Mais Soy, t'es une youtubeuse. Ah ouais? Ouais. Nice. On va demander toi parce que t'es plus près de moi. Je lui demande quoi? On va prendre la même commande. Tu dis clairement, on va prendre la même commande que la personne devant nous. Ok. On va prendre la même commande que la personne devant nous. On va prendre la même. Est-ce que vous faites ça des fois quand vous appelez des gens, vous répétez un peu le discours que vous devez dire? C'est un peu psychopathe. Non, c'est normal. Mon avis a changé, c'est normal. Oh mon dieu, c'est mon tour. On va prendre la même commande que la personne devant nous, s'il vous plaît. Un grande tapimisto? Oui. Oui. Parfait, c'est tout? Oui, s'il vous plaît. Un gummy demisto, il y a. Un gummy zemidi? Un fiston? Un fiston en gummies de Manfisto. Un fiston à la menthe. Ça oui, c'est un fist à la menthe, ça va pas faire plaisir. C'est quoi un fist? C'est un point dans le oh non. T'as déjà été au Harvey's? Moi j'ai été une fois dans ma vie, mais c'est pas bon je crois. Ah ouais? Ouais c'est dégueu. Yes, bon on va aller là. Le principe c'est genre des hot dogs où tu mets des shit dedans. Et genre des shit incongrues genre. Sérieux? Ouais, genre des shit. Ah oh, mais je suis dingue d'un hot dog. Non non mais attends, c'est dans des bacs. Et tu sais pas trop ce que c'est. Tu trouves pas qu'on rentre un peu dans l'intimité du gars en face, genre, ouais, avec ses petites habitudes et tout de grave. Vie. Peut-être qu'il se sentait cute, il avait envie d'un café pour se sentir cute, tu vois. Qui fait ça? Pas moi. C'est bizarre, frère. Ça coûtait 4,42$. C'est bien. Ce gars est prêt de ses sous et ça fait plaisir. Oh, elle me le laisse. Nice. Nice. Oui, maman. C'est pas mon téléphone. Tu sais, les mamans qui t'appellent toujours, tu sais, elles appellent tes amis ou elles appellent à ce que n'importe quel endroit. Elles te demandent comment tu vas. J'ai reçu un café, ça me plaît pas de vous. Ouais, là, les boules. J'ai bah, ça vit. La croix de nez qui pend de toute évidence. La madame me demande de rendre l'appareil, je vais devoir. C'est long pour un petit café quand même. Non mais ça doit être un café de malade parce qu'il a un nom super compliqué. Ouais, c'est le comment piston le piston congru. On demande comment ça s'appelle le piston congru. Non mais j'en veux plus de votre machine madame. Vous êtes gentille hein mais. Tenez, merci. Elle a dit quoi? Je sais pas, elle a dit la seule fois. J'ai trop touché le midule, ça m'a dégoûté. Tiens là, il y a un sgeg. Un skag, oh merci Soy. Oh j'ai envie de me tartiner. Non, non, non. Mais calme-toi, c'est pas une douche que tu. Je déteste les gens qui vident le shit. Genre, moi je prends une goutte, tu vois. Soy. Du coup, tu vois pas du tout, mais je prends une goutte. Voilà le fiston à la menthe. Eh oh, c'est grave latté de ouf. Oh, mais latté de vache. Ah, c'est moi quoi, j'aime le latté de soja, mais bah latté ouais. De vache, c'est un délire. C'est excessivement mousseux. J'ai pas commandé un mousseux. Non, c'est pas du vrai lait, c'est du lait d'amande. Oh, voilà bien, il est vegan en plus. Oh, cool. Misto J. Donne le nom d'un rappeur. Est-ce que c'est son prénom en vrai? On rentre grave dans son intimité, je crois qu'ils ont mis son prénom. Misto J. Misto J, si tu regardes cette vidéo, sache qu'on a aimé te rencontrer au travers de ce café. Je goûte en premier? Ouais, j'enlève mes grises, attends. Vas-y. Goûte. Alors ça pue. Ah, yes. Ça, je vais me brûler. Ça, je vais vous souffler dedans avant. Non, 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 buvez-le. Je veux que vous brûliez avant moi. Bah, non. Mais si vous êtes une sœur, ça va à ça, non? Ah, ok. J'avais oublié la fonction première. C'est bon ou quoi? Mais est-ce que c'est du savon? Ouais, c'est du savon. Pourquoi il a pris un café au savon? Je sais pas. Il y a peut-être pas de savon. Ça goûte le savon de ouf. Je suis troublée par ce café. C'est quoi? C'est même pas un café. Non, il y a du café dedans. Mais en fait, plus je bois ça, plus j'ai envie d'un café. De ouf.
C'est frustrant cette vidéo, on n'aura jamais ça. Ah, je me suis brûlée. Bah oui, c'est pour ça que je l'ai buvée avant moi. J'ai des papilles qui ont fondu. Les papilles gustatives. Papi chulo. Ça, il faut qu'on retourne à l'endroit où on était avant, et je sais pas comment y retourner. Oh, mais ça, vous allez vous démerder. Hein. Est-ce qu'il est drive-through aussi le... On va regarder les drive-through là-bas. J'ai toujours eu du souci avec ce mot-là. Through. Pourquoi ils appellent ça trou? C'est nul, c'est... un drive-through. Non, un drive-through, c'est pas glamour un drive-through. Tu veux goûter maintenant? T'as même pas goûté. Bah non, c'est cette trop... fille, cette fille, elle souffle et elle estime le moment où je vais me brûler de les fesses. Ouais. Je boirai pas, moi je bois pas un truc brûlant, ça me donne mal à la tête. En vrai, ça, c'est beau. Regardez. Non, ça, non, j'étais pas sur moi, je veux pas venir. Buvez un coup, ma serpette est perdue. J'ai jamais goûté un café eau chaude. C'est de l'eau chaude. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de goût du tout. Je pense c'est que c'est un café douche, genre, parce qu'il y a du savon et de l'eau chaude. Ah, ça goûte la douche. C'est bizarre un goût douche. C'est goût douche. T'as vu? Goût douche. C'est assez. Ce café m'a saoulé. Sauf qu'en fait, il n'y a aucune voiture. Tiens, mais votre cerveau est dans votre cul. Par contre, j'ai failli parler à la poubelle. Regarde, la poubelle, elle ressemble vraiment au truc. Lait fouetté. Si je donne un lait fouetté, non, je serais de la lait fouetté, pas de lait fouetté. Bonjour. Bonjour. On voudrait commander la dernière commande qui a été passée. Ouais. Oui. Parfait, merci. Qui prend une bière? Oh, c'est la mort. Mais qui achète ça, putain? On sait maintenant que les gens achètent on ça. On sait que les gens achètent ça. Bon bah ça, faites chauffer fait votre carte de crédit. C'est possible d'échanger la voûte bière? Non. Y a quelqu'un en drive-thru, on aurait dû aller derrière la voiture. Mais trop tard. Tu penses qu'on peut décider la commande? Non. Oui. J'ai payé pour une voûte bière. Toi tu prends la voûte bière, moi je prends à manger. Bah je préfère ça plutôt que de manger du bœuf d'animal. Ah bah y a pas de soucis. Là on aura pas assez à manger donc on peut retourner, c'est sûr on va retourner. Mais on va aller à Harvey après. Ah ouais? On va varier les plaisirs, ça. Autant se faire plaisir, non? Qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition? Je sais pas si le plaisir sera de mise. Mais... On serait passé dans cette voiture-là, on aurait eu genre 18 burgers, c'est sûr. On aurait dû attendre. Moi, je voulais attendre 2 minutes qu'il y ait une voiture qui passe devant. Est-ce que c'est toi qui fais les règles du jeu? Oui. Les règles sont les suivantes. On va derrière une voiture et on commande la personne devant. Tu commandes la personne? Oui. Je voudrais un caucasien de type. Bah dis donc, c'est pas toi qui choisis, tu choisis la personne devant. Ouais, mais si c'est pas ton type. Bah si tu prends la personne qui est devant, tu la prends et tu la mets dans ta voiture. Et tu la cannes. Faire un sandwich de sœur. Sandwich de sœur. J'ai la dalette, j'ai la dalette. Sandwich de sœur. Merci. C'est pas très bon. Tiens ta root beer. Merci. Ça pue. C'est parce que ça pue. Voilà en entier soft. Par contre, les pailles, c'est pas très bien ça. Oui, mais tu bois. C'est juste du dentifrice, c'est tout. Non, tu dois choisir entre le café et oh ça. Oh bon, y a pas de souci. Ouais. L'eau de douche, délicieux. Eau de douche par Carla. Bonne journée. Merci à vous aussi. Elles sont excessivement bien salées. Oh waouh, j'en veux ça. Mais ça, ça c'est assez. Non. Ça me stresse. Deux gouttes au moins. Ça va goûter le produit. Il faut attendre ça sèche, frérot. J'adore moi. Ça nettoie les traitements. Ah, le gars, il peut pas sortir. Mais toi là, elle est devant la sortie. Regarde-toi le temps qu'on mange. Ah, casse-toi la voiture. Ça. Le gars derrière nous, il a pris un café parce qu'il a pris 2 secondes. Heureusement. Oh bah heureusement qu'on l'a pris. Oh, non, notre café, je me serais buté, j'ai trop faim. Il est bien gros. Oh, j'ai jamais vu ça. Donc là, on a un sandwich au cadavre de bœuf, ce que les humains aiment bien manger en général. Il y a du bacon. Il y a un petit steak, des oignons dégueulasses, je déteste les oignons. Regarde, ça y est, on va le couper en deux. Tu fais des petits couteaux. Hop, petit couteau, petit couteau. Arrache-le. Ça va être difficile. Je sais, il faut l'arracher. Non, tu vas pas réussir. Je vais pas réussir, c'est sûr. Ah oui. Pourquoi c'est élastique, frère? Est-ce que c'est un élastique? Mais pourquoi on croque pas chacune? Oh, on va croquer. Putain, mais qui a eu cette idée folle d'avoir inventé l'école? Ça. Qui met des mais non, moi j'aime bien les oignons. Bah, tu les mangeras crus. C'est comme ça ou c'est rien? C'est pas mal du tout en vrai. Je vais boire un petit peu de root beer. La prout de bière. Mais pourquoi ils ont pas fait fondre le fromage? Ils mettent le fromage dedans et ils te le donnent. C'est une plateforme d'atterrissage. C'est sûr que c'est pour deux ce burger là. Mais c'est sûr que c'est pour faire atterrir un avion. Quelle va être notre prochaine collation, ça? Écoute, on va peut-être faire nos ongles. Oh ouais. Et puis après on va voir. Elles sont où les familles nombreuses avec 18 enfants et tout? De ouf. Tu sais qu'ils prennent les menus pour enfants avec les yops et les jouets et tout. Genre moi c'est ça que je voulais moi. Mais t'auras pas ça, ça. Si on va à McDo vers 17-18h, c'est sûr on va trouver des grands familles. Ils vont tôt, ils vont. On va attendre devant le McDo comme deux folles, cachées pendant 2 heures. Vas-y, on fait ça. On la piste. On la pisse? On pisse dessus, ouais. Okay. Donnez-moi un gum-gum. Vous voulez un gum-gum? Ouais, je veux bien. J'aurais rêvé d'un Coca-Cola ou un Ice Tea. À la place, j'ai un root beer, un prout de bière. Yay. How cute. C'est la première fois que je fais les petits angles tout petits comme ça. Ça te va trop bien, Soy. Ça me stresse trop. Mais Soy, ouais. On est en contresens par contre. On s'en bat les couilles. Ok.
Il faut aller derrière une voiture pleine à ras-bord. Moi, je veux qu'on attende un camion citerne en fait, parce que j'ai faim. Ouais, attends, vas-y, on va. Regarde, laisse le gars derrière nous passer. Laisse le gars derrière nous passer. Mais il est tout seul, ça. Il est tout seul, t'es sûr? Ouais, je crois. Non, il y a deux gars. Il y a deux gars. Vas-y, vas-y, alors. T'es sûr? Il y a deux gars devant lui. On y va. T'es sûr, il y avait deux gars? Moi, j'en ai vu. Oui, j'en ai vu deux. Il était beaucoup plus petit. Ok, parfait. Il était haut comme 3 pommes. Ah, ok, on le voyait pas en fait. Ouais, je sais qu'ils vont prendre. Ah ouais? Ouais, je me laisse. Ah, j'ai si faim. Moi aussi. Moi j'ai soif. Ils sont en BM, ils sont deux, ils ont l'air d'être choix. Tu vois, les gens qui ont faim de la vie, tu vois ce que je veux dire? L'ambition de la vie. On ne viendra pas au McDo, ça serait ambitieux. McDo, tu sais, c'est pour tout le monde, hein? Bah, c'est pour les mecs de dos en général. Attends, oh non, non, non. On n'a pas le droit de dire non, on doit prendre la commande. Ça, j'ai vu. J'ai vu, moi aussi. Il y avait un marc poulet, deux poutines et deux coques. Yes. Oui. Yes. Oui. Yes. We are the champions, my friend. C'est quoi on la phrase? On veut prendre la même commande que la personne devant on nous. On veut prendre la même commande que la personne devant nous. Oui, s'il vous plaît. Oui. Oui. C'est compliqué, il a dit. Oui, c'est compliqué. Oh, merci monsieur, je vous aime. Je savais qu'ils allaient être. Ben non, je savais pas, c'est toi. C'est toi qui savais que ça allait être des bonnes commandes. Je l'ai senti. T'as vu, j'ai avoué que c'était toi et pas moi. Merci, Sot. Prends photo leur plaque d'immatriculation, on ira partout où ils iront. On peut pas faire la même journée que nous. C'est legit, je pense, la meilleure commande qu'on ait trouvée. Ah ouais, c'est plus que legit. Hein. Faut savoir que le café a pris du goût entre temps, je sais pas pourquoi, parce qu'il a périmé un peu dans l'auto. Regardez la saleté qu'elle est là, elle a tout salé le truc. On a trouvé un drive-thru. Un drive-thru. Je savais pas que le McDo là il était drive-thru. Je fais du bush-washing là en ce moment. Une sœur, une brune, au bout du monde, si différente. Qui boit du savon et qui mange des trucs pas bons. Pulvérisé dans ta mère, la violence de ton père. On a eu quand même de la chance aujourd'hui, on n'a pas eu de trucs dégueu de ouf à prendre le prout de boule. Ah, bah il y a eu le prout de boule et il y a eu la douche savonneuse. En vrai, maintenant il est bon. Non, moi je trouve pas. Il s'est transformé, arrête. Moi, je non, il manque du sucre, il manque du sucre, il clairement. Manque du sel. En plus, il y a deux coques et tout ce qu'on a besoin, franchement. Tout ce qu'on a besoin. Les gars. Oh, guys, merci. Merci de vous, franchement. Genre, vous avez refait notre journée. Vous êtes des gars en or, les gars. Vous avez monté dans mon échelle. Changez pas. C'est pour ça qu'on se fait pas beaucoup d'amis, tu vois. J'ai hâte de recevoir la même commande que les gens moi devant aussi. Nous. Et c'est le titre de la vidéo en plus. Ouais, c'est malade comme quoi les coïncidences. C'est sur ta mère, la violence de ton père. Mais tu vas où? Faut payer là. Mais non, j'ai pas envie de payer. Mais frère, je suis dans mon mood Aya. Je suis Romy Poulet. Je suis dans mon mood à bot. Genre une poule ça fait bot. Ah mais tu es dans mon mood à bot. Je suis dans mon mood à bot. Mais t'as déjà touché une crête de poule par contre? Une crête de poule? Bah j'avais des poules quand j'étais petite mais je touchais pas leur crête. Moi j'ai déjà tâté leur crête. Comment? Je tournais la crête comme ça. Ça a l'air vla satisfaisant. Oh là là, c'est tellement satisfaisant. Tu devrais tripoter une poule là. C'est vrai. Bah y'en a ou mais. Regarde exactement comme un lobe. Touchez-vous le lobe maintenant. C'est comme une. Regardez. Ah, mais est-ce que t'es sûr que t'as déjà touché une crête ou tu mens? Bien sûr que j'ai déjà touché une crête, je crois pas. J'en ai touché des tonnes. Et de tu crêtes. Te souviens de la texture? Mais bien sûr, c'est granuleux et c'est un petit lobe. Je me souviens pas du tout de la texture d'une crête. Et bien sûr que si, j'adorais les poules. Tu mens? Pourquoi tu mens? Je les aimais trop les poules, ça. J'avais peur de Titeuf, ça. Tout le monde avait peur de Titeuf. C'était qui Titeuf? Le coq. Ah, mais oui, Titeuf le coq. Oui, mais moi j'avais 2 ans et demi, ça. Oui, bah voilà, moi j'étais âgée. Oui, ça, je sais, ça, je sais. Le coq s'appelait Titeuf. Oui, s'appelait Titeuf. Qui l'a nommé comme ça? Bah, sûrement moi. En fait, c'est juste que quand les parents ils t'ont eu, ils ont genre compris qu'il fallait arrêter de déconner. Genre. Moi, j'étais un peu le brouillon, ils faisaient n'importe quoi, tu vois. Mais c'est trop pas, t'as vécu des trucs à l'ancienne. Mes papis commencent peu à peu à se renouveler. Moi, je veux juste savoir le coca. Je suis refaite qu'ils aient commandé un coca parce que moi, c'est tout ce que j'avais besoin. Ouais, c'est vrai, ça va nous réveiller. Oh là là. Et moi, je voulais un truc frais et cocateux, quoi. Cocateux. Faites-nous rêver, monsieur. Pourquoi elle est tordue? Tu fais quoi? Elle est tordue parce que quand t'as un homme dans ta vie, qui la met dans ses cas. Voilà, dans sa poche. Et qui s'assoit comme un petit. Et toi, tu dois la repasser avec ton fer à repasser parce que t'es une petite femme de ménage. Comment je peux parler en vieux français pourri? Genre, vous avez bien les sodas pétillants. Sandwich composé de poulet. Ok, ok. Bonjour. C'est les deux marques poulet. Deux sandwichs composés de poulet, oui. Oui, les frites en sauce, oui. Il n'y avait pas de soda pétillant avec? Oui, ok, super, merci. Ça va être, oui, par virement de carte bancaire. Je procède au sans contact. Je veux bien un cabaret. Comment il a regardé ce qu'il a fait? Pourrais-je avoir la facture, s'il vous plaît? Je vous remercie. C'est dans le sac. L'affaire est dans le sac, monsieur. Oh, putain.
putain. Il a reculé puis il a regardé comme ça là, je pouvais plus m'empêcher de rire. Il a répété tout ce que t'as dit mais version normale tu vois. Bon les gars, il y a plus beaucoup de batterie donc ça va peut-être couper. On mettra un petit écran de fin, écran noir avec l'écriture. C'est ça. Voilà. On va déguster notre dernier repas de la journée. Anyway c'est le dernier repas de la journée. Donc, ouais. Donc on a un Mac Chicken poulet, un autre. Oh, wow. On a de la chance, ils étaient deux. C'est ça, le pété de lèvres. Et une poutine. Oh, chacune. God, on génial. A même pas triché à aller derrière une voiture qu'on voulait. Wow. On a pisté une voiture quand même sur plusieurs heures. Ok, où ça coupe, on vous fait des gros bisous. À la prochaine. On va se mettre les amis. On se met bien les couilles. La fatigue parle. La vulgarité parle quand la fatigue parle. On finit vraiment sur une bonne note. On finit sur un lait au pet quoi, dans le nez, c'est vraiment génial. Mais pourquoi tu dis ça? Ça sent le lait de pété. Je peux pas manger avec cette odeur de lait. Attends, je dommage, vous allez pas nous voir manger parce que ça va couper. Donc vite, on se boit. La poutine va être dégustée comme jamais elle a été dégustée. Moi, je m'en mets plein les fouilles exprès pour que les gens ils voient que je mange. Donc vas-y, mange comme moi là. Ah, mais attends, mais là. Ils ont commandé une fourchette pour deux. Pourquoi ils ont commandé une fourchette pour deux? Bah parce que les gars peut-être qu'ils ont qu'une main pour deux, pour six. La luminosité est excellente et uniforme. C'est hyper stressant de voir un bouton rouge qui clignote. Ouais parce que ça clignote, on voit la batterie faible qui clignote depuis tout à l'heure. Les frites sont différentes de l'autre magasin, mais tout aussi délicieuses. C'est beau ce que tu dis. Ces gars-là, c'est des gars en or. Vous êtes organisés, c'est ça que j'ai apprécié chez vous. Vous m'appréciez ça en tant que personne? Ouais, je vous apprécie quand même pas mal. Moi aussi, je vous apprécie. Vous êtes un peu tout pour moi. Vous êtes un peu le 5. Ça, est-ce que si on lui donne une perfusion, vous pouvez me perfuser? Est-ce que c'est automatique que la sœur peut donner son organe à l'autre sœur? Tu connais ton code bancaire de sang? A plus à moins WZ. Ouais, moi aussi, c'est ça. Moi, c'est genre plus avec des chiffres. Ah ouais, genre 1, 2, 3, 4. Ouais.